Salut tout le monde, c'est Odod. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo assez, on va dire, spéciale. Puisqu'aujourd'hui, c'est une vidéo qui va être tournée sur, je pense que vous avez dû le remarquer, Battlefield 2. Oui, Battlefield 2. Oui, ça fait loin quand même, Battlefield 2. Hein. Si vous vous rappelez bien, je crois que c'était en 2005. 2005, Battlefield 2 est sorti. Et maintenant, cette année, Battlefield 3 va sortir. Rendez-vous. Enfin bon, je me suis dit que justement à l'occasion de la sortie de Battlefield 3, je me suis dit, allez, je me suis dit, on va faire une petite vidéo. Et aujourd'hui, on va se retrouver. Alors, vous allez pas me demander les. Vous pourrez pas me demander les noms. Oula, il y a quelques petits bugs graphiques. Oh, bah, punaise déjà. Aïe! C'est carrément un avion qui nous a foncé dessus, ça commence bien. Donc, pour les noms des maps, ne me demandez pas, je ne sais pas lesquels sont. Ce sont. Et je suis désolé, j'ai quelques petits bugs graphiques, je comprends pas pourquoi. Donc voilà, mais bon, je tenais absolument à faire cette vidéo, alors je me suis dit autant qu'on la fasse. Hein. Bon, d'accord, lui sympa, il est rentré dans son pote, tranquille, on s'embête pas. Donc voilà, donc on va se retrouver sur Battlefield 2, sur lequel je suis vraiment nul. Parce que ça fait très longtemps que j'y ai pas joué, alors ne me demandez pas. De faire des 360 quickscope, headshot, n'importe quoi. Je vais déjà essayer de tuer des gens et de rester en vie, ça serait déjà bien. Oula, je crois qu'on va. Oh non, il est débile lui. Oh oh. C'est parti, on fonce les gars, on fonce. Donc vous voyez quand même Battlefield 2. Certains, les plus pointilleux, diront oh là là, c'est moche, mais faut se mettre aussi à la place de l'époque quoi. Faut se mettre en 2005. En 2005, ils avaient que ça comme moyen et franchement, c'est bien rendu. Et j'y suis passé. J'adore. Voilà, donc je risque de mourir souvent comme ça. Donc là, il faut attendre soit qu'un médecin arrive, soit. Voilà, donc là, il y avait un médecin en haut à droite qui aurait pu venir me sauver. Mais il est venu me dire. Enfin, je suis mort quoi. Bon. Du coup, je vais aller re-attendre un véhicule ici. Ah bah voilà. Quand on parle du lot. Allez, c'est parti. Y'a personne qui veut venir? Non? Bon bah ciao. Oh bah je viens de voir un. Oh les. Le mec fait des loupings. Alors, wow ça, je me rappelais plus que c'était aussi compliqué à conduire un Battlefield. Donc voilà. Alors j'espère que votre entrée s'est bien passée. Quand même, j'espère. Bon, j'ai quand même plus de moi. Non mais dis donc. Tout le monde est rentré, y compris moi. Sauf Kero qui est rentré là, je pense. Et en fait, ben du coup. Wow, j'arrive déjà pas à conduire. Donc voilà, et. Wow, c'était quoi ça? Ouais. Donc voilà, moi je suis rentré, j'ai une bonne classe, et tout ce qu'il y avait. Donc j'espère que pour vous c'est la même chose, vous avez tous une bonne classe. Et moi je me mange un mur et j'ai. Explosé. Bon. Bah j'ai explosé, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas de ma faute, hein. faut bien que je réapprenne à jouer, et je vous jure que là je fais une vidéo, c'est la toute première que je fais. Hein. Hop là, là c'est la toute première que je fais sur Battlefield, alors va falloir que je reprenne mes repères. Allez, on va monter dans le tank, on va sortir plus lourd, on va prendre un truc un peu plus lourd. Donc là je crois que je suis avec les coréens, je sais pas si c'est pas des coréens ou des... Ou des chinois, mais dans les deux cas, c'est des gens qui font un atelier ten. Voilà. Comme dirait ce cher Kero, il ferait à Pink Root. Voilà, dédicace à Kero qui nous sort souvent quand même. Voilà, donc en fait, pour ceux qui n'auraient plus joué à Battle. Ah zut, dommage, j'aurais presque fait. Pour ceux qui ne jouent plus à Battlefield 2 depuis très longtemps, qui l'ont rangé au placard ou même carrément qui l'ont vendu, le but. Bonjour multijoueur, c'est que de la domination. En gros, oui, c'est de la domination parce qu'il y a des points à récupérer. Enfin, oula. Lui, il va pas pleurer. Donc, il y a des points à contrôler, là, les petits drapeaux. Et lui, ah merde, c'est un pote à moi, je crois. Donc, voilà. Il y a des points à contrôler. C'est de la domination, mais avec en même temps de la stratégie. Parce qu'il y a des hiérarchies, un commandant, il y a des groupes et tout. Oula. Je vais quand même pas aller tuer mon pote. Allez, bouge, voilà, avance. Ah non, pas mourir. Eh bah si. Putain, mais si l'autre il avait pas fait le con à attendre, ben voilà. Putain, il est con lui. Enfin bon.
C'est pas grave, on va réessayer. Wow wow wow! Mais il est malade lui! Il va pas bien? Ah bah, génial! Un problème de connexion. Juste à la fin de la partie, un problème de connexion, c'est pratique. Heureusement, je pense que ça ne devrait pas trop faire de mal à la vidéo. Je pense. Donc, je pense que ce qu'on va faire. Oh bah, il y a un avion qui se crache là. Boum! Donc, bah, là, ce que je vais faire, c'est que bon. Ah, mais on est encore sur la même map? Bon, bah, désolé, on va encore être sur la même map. Oui, parce que bon, la plupart des serveurs de Battlefield 2 que l'on trouve, ben. C'est des serveurs comme ça où il n'y a qu'une map à chaque fois, une map. Donc, je suis désolé, vous allez devoir vous coltiner cette fameuse map d'Alien Plant. Alors, je sais pas si ça se dit comme ça. Donc, vous allez devoir vous la coller tout le temps. Voilà, de toute façon, je pense que je vais faire juste cette partie. Excusez-moi, je suis un peu malade. Je pense que je vais faire juste cette partie et je vais couper la vidéo parce que sinon après vous en pourrez plus de Battlefield 2, vous aurez fait une intoxication. Mais bon, c'est voilà quoi, c'est bien de se rappeler comment était Battlefield avant que le 2 ne sorte. Alors je vais essayer de passer dans les marines. Oui, j'y suis allé. Hop, je prends là. Alors normalement, je me demande si je peux pas postuler pour être commandant. Allez, on va essayer de postuler. S'ils me répondent oui, je vais pouvoir balancer des tirs d'artillerie un peu partout. Et s'ils me disent non, ben ça sera non. Alors par contre, je vous jure que les déplacements tous sont sur la touche servir arme fixe pour utiliser l'arme fixe. À côté ah bah super. De laquelle vous trouvez. J'ai été accepté en tant que commandant. Alors voilà, je suis le commandant. Donc si je veux, normalement si j'appuie sur N, non pas sur N, c'est sûr. C'est bon. Celui-là. Alors je me rappelle plus du tout des boutons, je suis vraiment désolé. Alors, faut que j'essaie de me rappeler. Non, c'est ce bouton-là, voilà. Alors si je veux, là par exemple ici, je peux coller une artillerie, je peux mettre un satellite pour repérer tous les ennemis. Comme ça. Ensuite, je peux lancer un drone à tel endroit. Par exemple, si je veux, je peux en mettre un là pour repérer tous les ennemis aux alentours. Voilà. Et tout à l'heure, dès que j'aurai accès, je vous montrerai l'artillerie. Les tirs d'artillerie. Merde, en fait, je vais pas dans le bon côté, mais ça tire un peu de partout. Ah, mais c'est là-bas que faut aller. Donc, ouais, alors c'est un peu compliqué, c'est pour les grenades. Foncez pour doser la force du lancer. Plus vous appuierez, plus la grenade ira loin. Allez, on attaque. C'est parti. Donc là, si je veux, normalement, voilà, j'ai une artillerie, donc je vais placer un drone quelque part. Non, je vais placer un satellite. On va voir où sont les ennemis et leur lancer. Ah, là voilà, je suis mort. C'est dommage. Donc, en faisant le bouton tirer sur Battlefield. Ah, bah voilà, il m'a sauvé. Super, sympa. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais pas lancer. Je vais balancer un drone. Voilà. Je vais par exemple le jeter quelque part où il y a du monde quand même. Voilà. Et je vais le jeter mon tir d'artillerie ici. Je ne sais même pas où je suis. Je suis derrière. Donc voilà, on va pouvoir. Ah mince, je me suis trompé de bouton. Ah zut, je me suis trompé de bouton, désolé. Donc voilà, vous allez pouvoir voir le tir d'artillerie de là. En espérant que je ne me fasse pas tirer dessus. Voilà, donc là-bas vous voyez que ça pète un peu de partout. Donc je vais essayer d'y aller. D'ailleurs je viens d'avoir le fameux hit marker qui bousille un peu tout, parce que quand on balance une artillerie, plus souvent on voudrait plutôt faire un kill que d'avoir juste un hit marker. Par exemple lui, par exemple, et ben voilà, je l'ai eu. Donc je l'ai eu, voilà. Maintenant on est en train de capturer le point de contrôle, mais lui il me fait peur. Dites recharge, allez, recharge. Ah non, on me tire dessus. Ah bah trop tard, je suis mort. J'essaye de m'en sortir du mieux que je peux, mais c'est un petit peu compliqué. Enfin, et bien sûr, il n'y a pas de médecin pour venir m'aider. Hein. Bon. Oh, j'ai vu qu'ils ont fait un largage logistique. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi j'ai encore de nouveau de l'artillerie, je vais balancer un satellite. Juste qu'ils se bougent à arriver là où il y a du monde. Alors là où il y en a le plus, c'est là. Donc on va tout leur balancer ici. Ça, ils en prennent plein la gueule. Donc là, j'ai balancé mon tir d'artillerie.
Faut pas trop que je me rapproche parce que sinon, bon, je peux y passer moi aussi. Mais j'espère faire quelques... Voilà, j'ai fait un kill, deux kills. Peut-être un troisième, peut-être faire un triplé. Hein. Ah, j'ai quand même été promu. Ah non, c'est une distinction. Oui, parce que bon, voilà, je reconnais plus trop les trucs, donc j'ai obtenu une distinction qui est novice du combat des forces spéciales. Ah, bah merci, c'est très gentil. Ah bah merde. D'accord, je suis distingué, mais je me fais tuer quand même. Faudrait qu'on m'explique. La blague qui ça. Bon bah pour l'instant personne ne gagne. Je crois que cette partie va durer longtemps. J'aimerais pas trop vous y forcer, donc si vraiment je vois que ça prend trop de temps, je couperai avant. Au pire, ce que je ferai, je filmerai juste la fin et voilà, je la mettrai juste la fin. Je dirais voilà, on a gagné, on a perdu. Mais le problème, c'est que s'ils voulaient bien arrêter de me tuer sans arrêt, je pourrais au moins les aider, quoi. Bon, j'ai quand même accès. La liste de gauche répertorie les groupes de votre équipe. Pour intégrer un de ces groupes, allez, satellite. Sur le bouton rejoindre correspondant. Ouais, salut. Ah bah super, drôle. Bon allez, alors je parie qu'ils doivent tout être ici. Voilà, artillerie. Donc on va envoyer de nouveau un tir d'artillerie par ici. Il va falloir surtout faire gaffe. Parce que j'ai pas envie d'y passer à cause d'un tir d'artillerie de moment. Alors, est-ce que je vais faire un kill ou est-ce que je vais rien faire du tout? Un kill ou pas un kill? Eh ben non. Je ne ferai pas de kill, c'est dommage. Bon, il faut que je les trouve, les gens. Ça m'embête un peu parce qu'il faut que je cherche. Et moi, j'aime pas chercher. C'est parti, allez, on fonce. Bon, apparemment, ils ont modifié le serveur pour faire comme s'il avait l'atout marathon, lui, hein, parce qu'il peut sprinter illimité. Allez. Zut alors! J'aurais pu l'avoir, mais je ne l'ai pas eu. Bon, je vais réapparaître ici. Comme ça, au moins, je serai pas bien loin. Enfin. Oh, bah non, je suis mort. Allez, j'ai même pas le temps de réapparaître. Excusez-moi de ce que je vais dire, mais je vais le penser très fort. Ils sont en train de faire comme les gens dans Call of... comme certains gens dans Call of Duty. Ils prennent au spawn. Après, ceux qui sont pas d'accord avec moi, ils ont le droit. Mais moi, en tout cas, je pense que les gens, certaines personnes dans Call of Duty, prennent au spawn. Voilà, ils nous prennent dès qu'on apparaisse. Après, chacun son avis. Ça, c'est le mien. Si vous avez le vôtre, je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche pas, mais... je veux dire, si vous avez un avis contraire au mien, bah, c'est votre avis. Bon. On y va. C'est parti. Je vais arriver en plein milieu des décombres. Enfin, des décombres. Des tirs d'artillerie. Voilà. J'ai quand même fait un kill. Et j'en ferai qu'un. Allez, on fonce. Ah, des munitions. Bon, ça va pas me servir à grand-chose. Allez, c'est parti. Voilà, va falloir foncer. Allez, on fonce. Bon, je sais pas à quoi sur le servir de tirer ça avec 4, mais... va falloir foncer. Allez. Allez, les gars. Oh, putain, merde, il tire des grenades en plus. Ah, merde, j'ai pas mis de la vie. Sniper. Eh, merde, oui. Il y a des campeurs de snipers. Non, je rigole parce que les snipers là c'est pas des campeurs. Hop là, lui je l'ai eu. Il est allé, on fonce. Oh non, c'était quoi ça? Allez. Ah bah non. Dommage. J'aurais presque cru, mais non. C'est pas pour tout de suite. Il faudrait qu'on arrive à capturer les deux derniers points. Après, il suffit en fait, si on capture les deux derniers points et qu'on tue tout le monde, bah on a gagné. Mais bon. C'est un petit peu plus dur. J'ai bien aimé comme il est mort lui. Oh non, ils ont pris le point de contrôle. Bon allez, on fonce. Bon alors s'ils l'ont pris, ça veut dire qu'ils doivent pas être bien loin. Satellite. Ils sont tous là.
Mais c'est qu'ils sont en train de tout nous prendre, ces salauds. Ah bah ils ont déjà capturé. Allez, ah non, ils ont capturé là-bas. Ah bah c'est là où j'ai... Non, en fait, c'est celui-là là-bas que je voulais aller prendre. Bon, excusez-moi, je parle pas trop, mais... Comme j'y ai pas trop joué, j'essaie de reprendre... Attends, attends-moi. Attends, aide-moi. Vite, allez. Ouais, bon, d'accord, le mec, ça, il a envie de tirer sur sa route, se barrer. Eh bien, casse-toi, et puis voilà. Oh oh. J'ai pas compris, soit il m'a pas vu, soit c'est juste qu'il avait pas envie de s'occuper de moi, mais... Il m'a pas tiré dessus, en tout cas. Allez, on fonce. Oh là là. Oh, oh, le mec, il est arrivé comme un dingue. Oui, merci. Oh non. Ah, j'ai été repéré. Zut. C'est dommage, j'ai été repéré, mais bon, on y croit, on va y arriver, on y croit. Ou peut-être pas. Et je suis... Comment on descend? Ah bah, allez, allez vite. Normalement, j'étais censé ouvrir mon parachute, ça n'a pas marché. Attends. Voilà, je lui dis go, comme ça au moins il sait que j'ai envie d'y aller au combat. Ah! Ça, c'est con. Je l'ai pas vu arriver celui-là. Allez, c'est parti. Hop, je vais me planquer là. Envoyer un satellite. Voir un peu tout le monde qui a. Alors. On va envoyer ici, comme ça les gens, enfin mes coéquipiers, vont pouvoir accéder au point de contrôle. Ah, un kill. Peut-être un deuxième des fois, non? Peut-être pas, non? Allez, on fonce. On y croit. Là, il y a un mec. Oh, je l'ai eu. Oh, j'ai réussi à l'avoir. Je sais pas comment j'ai fait. Maintenant, faut foncer. Allez, là. Non, il me tire dessus. Vite, allez. Ah non, il y avait un tank. Bah ça c'est con. Bon, ben voilà, je vais me prendre un tank à la gueule. Bon allez, on y croit. Alors, satellite, on va voir où ils sont. Ça en fait, je vais leur laisser le champ libre pour avoir... Alors là, il y en a plus, c'est ici. Donc on a tout envoyé là. Tout ça, ils auront accès au point de contrôle. Allez. Alors, on va voir. Un kill déjà. Oh, ils ont fait péter le pont, les méchants. Lui, je l'ai vu tomber. Il est mort un peu bizarre. Pardon. Ils sont où, les petits méchants?
Ils sont. Bon, bah là aujourd'hui, la couchette va pas être possible là, parce que le. On peut pas faire de couchette là, parce que. Enfin, je veux dire, on peut pas faire le double triangle là, dans Battlefield. Oh non! Si j'avais pu faire le double triangle comme dans Call of Duty, ça aurait pu marcher, mais bon. Le double triangle n'existe pas dans Battlefield 2, ni dans Battlefield 3, je pense. Car ils ont leur technique et Call of Duty a sa technique. Mais cela ça fait pas forcément de Battlefield un mauvais jeu, tout ça parce qu'il n'y a pas de double triangle. Franchement, moi je vais vous le dire franchement, Battlefield 3 est plus axé simulation. Déjà on regarde au réalisme et tout. Après je dis pas que c'est Call of, c'est pas de la, c'est pas réaliste, mais je veux dire Call of Duty c'est plus axé arcade parce que si vous regardez bien. Voilà, dans la vraie vie, on va pas. Ouais, j'ai fait 3 kills, j'ai le droit à un drone, quoi. C'est vraiment de l'arcade. Donc, ceux qui disent, ouais, Battlefield va écraser Call of va écraser Battlefield, ça a vraiment rien à voir parce que les deux jeux sont complètement différents. Donc, ça sert à rien de se dire, ouais, ça va exploser, enfin, ça va exploser Battlefield ou ça va exploser Call of Duty, puisque les deux sont complètement différents. Donc, je vois pas à quoi ça va vous servir de savoir que. L'un va exploser l'autre. Dans les deux cas, ces jeux vont être achetés. Pas par les mêmes personnes, mais vont être achetés quand même. Donc voilà, vous achetez soit Call of Duty, soit Battlefield, c'est comme vous voulez. Mais voilà, quoi, c'est tout ce que j'aurais à dire. Alors, il y avait un mec là-dedans, je l'ai vu. Ah bah, il est mort. Hop là, un kill. Eh, genre, je l'avais tué. Ah, ben je crois bien que pour l'instant on est en train de se faire dominer quand même. Allez, c'est reparti. On y croit. Allez, on va relancer un satellite pour savoir où ils sont. Et ils sont tous ici. On va leur donner un drone. Voilà, parce que si vous regardez bien, là j'ai fait aucun. J'ai quasiment tué personne et j'ai quand même droit à des drones, donc vous voyez que c'est plus simulation que autre chose. Et maintenant on arrive, on fait boum, on fait tout péter. Viens là, Denis. Fais-moi monter. Oh merde, oui, vas-y, occupe-toi de lui, moi je m'en vais, je fonce. Ah. Il le fera un main là-dessus. Oh là, y'a un mec, vas-y, occupe-toi-en. Hé, hey, mais t'es aveugle ou quoi? Ah mais merde, je suis tout seul. Hein? Bah zut. Je sais pas comment je suis mort, mais je suis mort. Voilà. Ouais. Bon, ben voilà, je suis mort. J'y crois pas. Non, je veux pas mourir. Ah ben, j'étais à deux. Ah ben, les salauds, j'étais à deux. M'en pis, je vais vous envoyer une artillerie à la figure, vous allez comprendre. Alors, un satellite. Non, un satellite. Vite, allez. Et hop là, on le fout carrément là-bas. Wow. Allez. Allez. On y croit. Je peux peut-être le contrôler, le point de contrôle. Allez, remonte. Non! Naise, les mecs, allez. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo là. Enfin, je veux dire, je vais couper la vidéo là et on se retrouvera tout à l'heure pour la fin de la partie. Allez, à tout de suite. Et voilà, me voici de retour. Et avec une bonne nouvelle, nous avons gagné. 170-0, l'équipe USMC a gagné. Donc voilà, on a gagné. Et aussi, voilà, je vous aurais fait une petite vidéo nostalgie, comme je l'appelle. Pour ceux qui sont des grands fervents de Battlefield, voilà, vous aurez une petite vidéo de Battlefield 3 pour vous remettre
en mémoire tout ce que vous avez vécu quand vous avez joué à Battlefield 2. Maintenant, je vous dis, je suis comme vous, j'attends Battlefield 3 avec impatience. De même pour Call of Duty Modern Warfare 3. Maintenant, je vous dis à tous, à la prochaine, prenez soin de vous, bye tout le monde.